Avec la Super Meteor 650, Royal Enfield comble une lacune sur le marché européen de la moto, à deux cruisers avec max 48 CH. C'est en fait drôle que presque aucun autre constructeur n'ait eu cette idée jusqu'à présent. Après tout, la Honda CMX 500 Rebel est un véritable best-seller depuis des années. Marcus et Dietmar ont pris le nouveau à deux cruisers d'Inde pour un tour. Visuellement, le nouveau Meteor 650 a déjà connu un véritable succès. Surtout, nous trouvons les versions simples en vert foncé et noir sans bouclier avec la banquette séparée vraiment chic. Pour le test, cependant, nous avons eu la version rouge et blanche avec un ensemble de tourisme, dont la peinture nous rappelle beaucoup une Triumph T120, Bud Equin. À propos, Royal Enfield appelle le nouveau Meteor une moto haut de gamme. Nous n'irions pas jusque-là, mais c'est vrai, comparé à la petite Meteor 350 pour seulement 4 390 €, la grande Meteor est clairement la moto la plus précieuse et adulte, ne serait-ce qu'à cause du 650 deux cylindres. Le pack touring de notre machine d'essai complète la machine avec un pare-brise, qui ne peut malheureusement pas être ajusté, ainsi qu'un siège de tourisme avec une barre CC. Sans le package, la version noire coûte 7 890 €, la verte coûte 8 090 € et notre vélo d'essai avec le package coûte 8 390 €. Pour être honnête, je prendrai le noir et m'épargnerai les frais supplémentaires, car je roule rarement à deux et je roule plutôt avec désinvolture sur un tel vélo et n'ai donc pas besoin de brise-vent. Et qu'est-ce que ça fait de s'asseoir sur cette moto? Assez confortable, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Avec une longueur de 2,30 mètres, la Super Meteor est une moto assez grande, d'où l'espace généreux pour le conducteur et le passager. La hauteur d'assise de 740 mm est plutôt élevée pour un croiseur, mais chaque pilote a vraiment les pieds sur terre ici. C'est une bonne chose, car après tout, le Super Meteor pèse plus de 240 kg. Cela peut sembler ridicule pour les conducteurs de Harley, mais pour les aiguilleurs de croiseur, la machine n'est pas exactement légère. Les repose-pieds sont ensuite montés loin en avant, comme c'est typique pour les croiseurs, de sorte que vous avez toujours un angle de genou confortable et sinon asseyez-vous droit et confortable. Ceci est également adapté aux distances plus longues. Le passager avant a de toute façon la vie facile sur notre machine d'essai grâce à la barre CC, mais le conducteur, d'autre part, trouve automatiquement sa position assise car l'encastrement profond du siège rend impossible le glissement d'avant en arrière. Dans l'ensemble, un croiseur très confortable et juste correct à manœuvrer, adapté à toutes sortes de situations de conduite. Le Super Meteor est simplement équipé. En dehors de la PA, il n'existe pas de système d'assistance technique. Le cockpit a le look bien connu de VW Beetle, le petit écran supplémentaire LC indique la vitesse, le niveau de carburant et la vitesse. Il y a aussi un petit ordinateur de bord, mais c'est à peu près tout. En standard, cette machine est également livrée avec le petit instrument supplémentaire pour la navigation par flèche. Et cela fonctionne très bien, téléchargez l'application, créez un compte, entrez votre destination et vous êtes prêt à partir. Bien sûr, de tels systèmes de navigation par flèche ne remplacent pas les vrais systèmes de navigation de Garmin, TomTom & Company, mais lors de nos tests, le système de navigation par flèche libre a parfaitement fonctionné. Les feux avant et arrière sont à LED, les clignotants ne le sont pas. Il n'y a pas de réinitialisation automatique des clignotants, ni de mode de conduite, de régulateur de traction ou d'autres cloches et sifflets. Asseyez-vous dessus, tournez la clé, partez et louez la vie, c'est comme ça que ça devrait être avec un croiseur, n'est-ce pas? Le son de la Royal Enfield Super Meteor 650 est très convaincant car il correspond à la moto. La machine dispose de deux tuyaux d'échappement, qui se détachent optiquement chromés. La machine n'est ni particulièrement bruyante ni particulièrement silencieuse. Vous entendez toujours la vitesse approximative et n'avez jamais le sentiment stupide de vous mettre sur les nerfs de quelqu'un. Dès les premiers mètres, il devient clair lors de l'essai routier, ce n'est pas un silencieux, mais un croiseur actif. La fourche n'est pas trop plate, l'empattement n'est pas excessivement long à 1,50 m et l'ensemble du réglage du châssis est très réussi. Contrairement aux croiseurs lourds, conduire le Super Meteor n'est pas un problème du tout, même pour les conducteurs novices. Vous vous sentez immédiatement à l'aise et accumulez rapidement la confiance nécessaire pour, par exemple, des virages plus sportifs. Si vous ne vous êtes pas assis comme sur une voiture de croisière, vous pourriez penser que vous êtes sur un vélo nu. Le moteur babille joyeusement et ne se sent jamais tourmenté ou ennuyeux avec des coups de chaîne ou des pas réticents hors du sous-sol. Bien sûr, 47 chevaux n'est pas le monde, mais il s'intègre très bien avec cette moto. Cependant, Royal Enfield doit supporter un point de critique, le frein avant est sous-dimensionné avec un seul disque et un étrier flottant à deux pistons.
Bien sûr, ce n'est pas un problème lors d'un freinage normal, mais si vous devez appliquer un freinage d'urgence à une vitesse de 140 km/h avec un passager et des bagages, vous devez être prêt pour une longue distance de freinage. Eh bien sûr, le prix bas doit venir de quelque part, mais avec une moto de plus de 240 kg, nous aurions souhaité un double disque. Sinon, la Royal Enfield Super Meteor 650 est une moto vraiment agréable et équilibrée pour un usage quotidien. Il n'est absolument pas problématique, fait une impression très solide et peut surprendre Soga avec quelques détails agréables, tels que le contour d'interrupteur en aluminium. La garantie est de 3 ans et, comme déjà indiqué, la concurrence est plutôt rare. La Royal Enfield Super Meteor 650 est une grenade vraiment amusante. Même les motocyclistes qui ne sont pas vraiment dans les croiseurs, comme l'auteur, seront agréablement surpris de voir à quel point vous pouvez naviguer avec cette moto. Il n'y a pas beaucoup plus détendu que cela. Nous trouvons toujours le prix de la Super Meteor raisonnable, même si Royal Enfield représente en fait des motos encore moins chères. Les concurrents de Honda et Benelli sont encore plus attrayants en termes de prix, mais à notre avis, la Royal Enfield a plus à offrir, avant tout le charme, l'apparence et le plaisir de conduire. Und los geht's. Oh, das war gut. Und schon 200. Bremse ich auch mal eine Runde wegen der ganzen Hunde, Leute hier. 3, 2, 1. Und ab geht das Füchslein. Und gleich fahren wir 100. Jetzt. Okay.